repiqué dans l'axe peut-être. Un ballon intéressant. Marco Verratti. Le Paris Saint-Germain qui cherche l'étincelle. Bonne intervention, il y avait danger. L'ouverture lumineuse. Koulibaly. Et ce ballon vers ses attaquants. Jolie passe lobée. Marco Verratti. Et ils essaient de repartir de derrière. Koulibaly. Voilà un coup franc intéressant. Et cette faute sera sanctionnée d'un carton jaune. La défense l'a très bien muselé sans lui laisser d'espace pour se retourner. Jouer, ils vont pouvoir repartir. Il faudrait se projeter un peu plus pour être dangereux. Et ce ballon sur l'aile. Ah, c'est dommage, c'était un contre bien mené, mais ça n'a pas suffi. Oui, ils l'ont échappé belle. Ah oui, mais quel tacle! D'autant plus crucial qu'ils étaient en infériorité numérique. Oui, mais c'est mal fait, c'est mal joué cette contre-attaque. Il y avait beaucoup mieux à faire. Oh, la frappe! Oh, c'est ce qu'il fallait faire, dommage! On le sent en pleine confiance, il n'a pas hésité à tenter ce geste pourtant difficile. Encore 5 minutes avant la pause. Oh, quel geste! Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Il est bien la dernière personne qu'on veut voir rôder autour de sa surface. C'est un poison, c'est un véritable cauchemar de défendre sur lui. Rabiot. Pas de réussite sur cette balle en profondeur. Je crois qu'il s'est trahi avec le petit regard à son coéquipier là, juste avant la passe. C'est joué long vers le poteau de corner. Koulibaly. Le coup de sifflet, c'est la fin de cette première période. Les joueurs vont pouvoir désormais écouter les entraîneurs. 45 minutes sont passées, un seul but marqué. On va laisser les équipes se reposer en buvant une petite tasse de thé, pourquoi pas.
Bonjour et merci d'être avec nous pour ce premier match de poule de la Coupe internationale. On va voir ce que nous réserve ce match. Allez Darren, un petit pronostic. Qui sera l'homme du match? C'est difficile pour moi de ne pas choisir Joe Hart, le gardien de la glorieuse équipe d'Angleterre. 1m96 et une grosse présence dans la surface. Et avec des réflexes incroyables en plus. Oui, on est exactement sur la même longueur d'onde. Meunier. Il frappe au but. Le premier frisson dans cette partie. C'était une frappe tonitruante. Ça a bien failli mettre le gardien en difficulté. Oh, voici Kane. Tant qu'on le garde dos au but, il est inoffensif. C'était bien défendu, ça. Vertonghen, qui a de l'espace. Alderweireld. Ferreira Carrasco. Il faudrait se projeter un peu plus pour être dangereux. Le long dégagement du gardien. Ferreira Carrasco, derrière, qui met bien le pied. En retrait. Rooney. C'est bien la passe à 10, mais il faut essayer d'être plus dangereux. On s'observe, on se jauge, mais c'est logique en ce début de rencontre. De Bruyne. Meunier. On est à la moitié de cette première période et toujours aucun but. Rooney. La bonne passe. Derrière, qui n'a pas cédé dans ce duel. Il a pris tout le monde de vitesse. Moi, je trouve que c'est l'un de ces attaquants qui font vraiment peur aux défenses adverses. C'est un épouvantail en crampons. Ce sera une touche. Et voilà une nouvelle touche pour eux. Progresse encore. Il va au duel. Là, il peut centrer. Centre. Derrière. Kyle Walker. Stones. Et un contact qui n'était pas régulier. Coup franc. Et cette faute sera sanctionnée d'un carton jaune. Voici Kane. Il joue en retrait. Il est bien placé. Oui, ça pouvait être dangereux. Il fallait impérativement l'arrêter. Ça se bousculait un peu trop dans la surface, là. Difficile de réussir son tir dans ces conditions. Ferreira Carrasco. Long ballon dans le sens du jeu. Ferreira Carrasco, qui a de la liberté. Et ce ballon sur l'aile. C'est intercepté, un peu d'air pour la défense. Le centre peut frapper là. Et le but pour la Belgique. Face au but, démarqué, ça ne pouvait pas se terminer autrement. Et voilà ce qui se passe quand vous laissez un joueur comme lui libre dans la surface. Et c'est quasiment suicidaire.
Le jeu reprend, ça fait 1-0. Ça ne devrait même pas me surprendre de le voir marquer. C'est un véritable métronome. Meunier, qui a un peu d'espace. Oh, voici Kane. La passe dans la profondeur. Sterling! Et pourtant, c'était un caviar au départ. Absolument, sa course était parfaite dans le timing pour se mettre en situation de duel. Il est passé. Faut tirer là. Ça rentre. Retour à la case départ. J'espère que le match va être encore plus ouvert maintenant. Quelle boulette et des conséquences sont terribles. Kane a parfaitement profité de ce petit cadeau. Bravo pour l'efficacité. Et c'est reparti. Les deux équipes sont de nouveau à égalité. Et oui, ils ont manqué de concentration sur ce coup-là. Ils pensaient encore à leur but. Et maintenant, tout est à refaire. Oh, ce jeu de passe, quel régal. Il glisse le ballon en profondeur. Le drapeau ne s'est pas levé. Et que dit l'arbitre? Corner. Sterling! Il est en bonne position pour centrer. C'est bien fait. La frappe de Kane! Nainggolan. Il sonne la charge. Ouverture vers le poteau de corner. Oh, voici Lukaku. Rooney. Le dégagement. La touche à suivre. Alors, que va-t-il faire? Le ballon dans la surface. Et le gardien s'en saisit, tranquille. C'est la mi-temps dans ce match intéressant. Espérons que la seconde période sera tout aussi belle. La Belgique qui rentre donc au vestiaire sur ce score de 1 partout. Rien n'est joué. Un match équilibré jusqu'à présent avec ce score de 1 partout. Les deux équipes vont rejoindre les vestiaires sur ce score 1 partout. C'est reparti, match nul pour l'instant. Pas de changement à la pause, on est reparti avec les mêmes acteurs. Walcott. Et le ballon qui est remis dans l'axe. Rooney. Rooney. Ah, c'était bien joué, la passe au départ était magnifique. Voilà un joueur capable d'expédier des boulets de canon sans aucune préparation. La défense doit intervenir beaucoup plus rapidement. On sent qu'ils vont aller chercher ce but. Et pourquoi pas maintenant? Meunier. Hazard. Oui, ça pourrait passer sur l'aile droite. Le bon dribble. Un centre tendu, à terre. Walcott. Et le raid côté droit, il a du soutien. Ça manque un peu de solution. Sterling. Quel tacle! C'est bien défendu, il fallait vraiment être solide. Pour trouver la faille dans la défense. Il y a peut-être un coup à jouer. Pas de hors-jeu, il y va! La tentative! Oh, le gardien est là, la classe! Incroyable comme il est allé la chercher, ça semblait se diriger tout droit au fond. Voyons ce que va donner ce corner. Oh, voici De Bruyne. De Bruyne. Allez, jusqu'au bout. Et le but pour la Belgique. Et ils prennent l'avantage. Allez, votre analyse, Darren. Il était au bon endroit, au bon moment.
Dès qu'il a reçu cette passe, on savait comment ça allait se terminer. Au fond, défilé. Les voilà avec un petit but d'avance. Rooney. Quelle séquence de passes. Collectivement, c'est parfait. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Un ballon intéressant. Il est tout seul. Le bon dribble. Il déclenche son centre. Eh bien, sauf erreur de ma part, c'est la première fois du match qu'ils essaient de passer dans le dos de la défense, dans l'axe. Ils sont quasiment toujours passés par les ailes. Oh, il a pris des risques. Ce sera un coup franc. Et geste mal maîtrisé. Logique, cette sanction. Carton jaune. La Belgique qui compte maintenant deux joueurs avertis. Oh, voici Kane. Belle passe lobée. C'est bien, il faut continuer comme ça. Come on. Ils n'ont plus vraiment le temps de se montrer prudents, non? Exact. Oh, voici Mertens. Il écarte, il joue sur l'aile. Bien servi. Mertens qui centre. Attention à la frappe. Oui, mais c'est mal fait, c'est mal joué cette contre-attaque. Il y avait beaucoup mieux à faire. Kane qui a su, on l'a vu, tromper la défense adverse. Il récupère le ballon, c'était un bon pressing. Il est lancé vers le poteau de corner. C'est reparti, ils peuvent contrer. Il est passé, il y a danger. Hazard. Quelle réponse de Joe Hart. Oh, c'est un arrêt important ça. C'est un super arrêt, fine save. Et l'entraîneur qui fait rentrer du 109. Tout lui a réussi aujourd'hui, un match presque parfait. Il a bien mérité d'aller se reposer sur le banc. C'est un public de connaisseurs. Il salue sa sortie comme il se doit. Repiqué dans l'axe peut-être. Nainggolan. Cette défense me fait un peu penser à la fameuse tortue des légions romaines. Très lente, vous voulez dire? Ah, Rennes, il faut réviser vos classiques. Non, je voulais dire regrouper dans l'axe sans rien qui dépasse. Ah, d'accord. Mais pourquoi il appelle tortue? Bon, allez, je vous expliquerai ça hors antenne, on enchaîne. Oh, la tête plongeante! Oh, ça aurait pu sceller le résultat. Oh là là, c'était chaud. À 2-0, ça aurait été quasi impossible pour eux. Danny Rose. Kane. Il écarte le jeu. Dans la profondeur, bien vu. Il tire et il marque. Ils viennent peut-être de tuer le match.
Ça, c'est du jeu collectif. Il passe de défense en attaque à 100 à l'heure. Et au bout, il y a but. Voilà ce qu'on appelle un coaching gagnant. Et voilà une bonne manière de fêter son entrée en jeu. C'est fabuleux.